another one. DJ Khaled! Back against the wall, middle fingers in the air. Bustin' through the crowd, they gon' feel me now. Straight shooter from the hip, yeah, we have a year. Told me get them, then I got them, yeah. Get them! 99 problem, but you ain't one. Been so high lately, I don't care what's going down. You can see it in my eyes, he been hitting it right. Salut Morgane, comment vas-tu? Ça va bien et toi-même? Bah écoute, ça va, il fait beau, il fait chaud, on en profite. Il fait chaud, ouais, ça fait du bien. Il a chaud, ouais. Ouais, il fait un peu chaud pour les chiens. Ah, faut bien les hydrater en ce moment. C'est ça. Alors, parle-nous un peu de toi, parle-nous de ta passion, quoi. C'était dans les années 2012-2013, j'avais croisé une personne qui avait un bully standard à l'époque. Et je me suis arrêté, j'ai discuté 5 minutes avec lui. Je fais de l'élevage de bully depuis approximativement 2 ans. D'accord. Je suis situé dans l'est de la France. Mon nom de quenel, c'est MB Bullican. Ok. L'American Bully que tu avais vu, c'est lui qui t'a inspiré ou tu as Non. C'est pas qu'il m'a inspiré, il m'a pas inspiré, mais ça m'a permis de découvrir l'American Bully. La race. Voilà. D'accord. Et après, un chien qui m'a inspiré, si je parle à l'heure d'aujourd'hui, ça serait du Dax, Miyagi, ce serait des grands noms du Bully d'aujourd'hui, quoi. D'accord. Hein, mais, d'accord. Mais non, le chien que j'avais vu à l'époque, c'était un bully, c'était un beau bully, mais il m'a permis de connaître la race, mais c'est tout, quoi. Et dans le bully, on sait très bien qu'il y a plusieurs types. Toi, Mon type préféré, c'est le micro. Le micro. Le micro, c'est vraiment ce type joli. Que tu travailles. Je travaille ce type, je fais aussi également un peu de pocket. Peu de pocket. Mais je veux vraiment travailler exclusivement du micro par la suite. Et du coup, quelle lignée, quel sang peut retrouver dans ton quenelle? J'ai du Hazard, j'ai du Bape, ah oui. J'ai du Miyagi. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre en lignée? J'ai du Muscleton, j'ai du Grand Dali. D'accord. J'ai un peu de tout, quoi. Et parmi tout ce sang, est-ce que il y a un chien pour toi qui est au summum, quoi, au sommet. Au sommet pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Bape. Bape. Ouais, Bape, c'est high level. C'est vraiment ce que j'aimerais travailler. Ok, ce serait c'est ta référence. Voilà, c'est une belle référence pour moi, exactement. D'accord. Mais ouais, pour moi, Bape aujourd'hui, c'est le top micro. Présente-nous ce petit là, d'où vient-il? Alors ça, c'est une production maison. D'accord. Ça vient de chez moi. C'est moi qui l'ai produit. Quelle lignée? C'est ligné Hazard, Mr. E.T., Wifi. Ah ouais. Ah, il est beau, un beau morceau. Hein. C'est vraiment du beau petit chiot. Il a 3 mois là. D'accord. 2 fois E.T. Ah ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment content de cette portée là. Donc une de tes femelles, quoi. Voilà, c'est une de mes femelles, exactement. On va finir sur un quiz, Morgane. Let's go. Si ça te tente. Bien sûr. Ok. Donc le but, c'est de répondre sans réfléchir. C'est parti. D'accord. Alors, le chien qui, pour toi, a le plus impacté cette race, le chien le plus... Le boss de l'American Bully. Le boss. Qui est mort. Selon toi, le boss, pour toi, quand on parle d'American Bully, qui tu vois? Miyagi, pour moi. Miyagi. Ouais. Donc le but, c'était de répondre sans réfléchir. Angelina Jolie ou Cardi B? Mimi Mati. Dax ou G2? Dax. Plutôt rap US ou rap français? Rap US. Opportuniste ou acharné du boulot? Acharné. Quantité ou qualité? La qualité en quantité. Une destination, ta destination de rêve? Quand t'as des bullies, mon pote, tu peux plus voyager. Eh bien, on va se quitter sur ce quiz. Merci beaucoup Morgane, et bonne continuation dans ton boulot. Et puis bonne chance pour votre projet. C'est surtout continue, très belle initiative. Continue ce bon boulot. D'avoir ton diplôme et d'insulter c'est good, hein? Ton papa. Attends, je baille.
Attendez, attendez. Là. C'est, ouais, vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quoi? Non, c'est pas. Ah, une danse de l'éleveur. C'est vrai. Ouais. C'était la naine qui devait faire ça normalement. C'est ça? La naine qui devait faire ça. Bah écoute, il y a une putain de moustique dans mon œil. It's just us, it's just us. Another one. So is us, so is us.